Laissez les gens penser mal de vous, mais que ce que les gens pensent de vous, ce soit juste ce qu'ils pensent, mais que ce n'est pas la personne que vous êtes au fond. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous voyez un peu le genre de ragots où on fait les ragots sur une personne juste pour atteindre certains buts. C'est bon, on fait les ragots, mais que ça ne soit pas qui vous êtes. Parce que c'est qui vous êtes, l'honnêteté, la franchise, la personne honnête, vraie, que vous êtes au fond de vous, la personne qui fait du bien, prend son prochain comme lui-même, peu importe si vous êtes familier ou pas. C'est ça qui vous sauve dans la vie. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va vous aller. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureuse de vous partager certaines astuces qui sont essentielles. J'ai reçu le message d'un couple en fait qui malheureusement pendant qu'elle donnait naissance, l'enfant a dû avoir un AVC et l'enfant en est affecté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand j'ai appris les circonstances dans lesquelles cela est arrivé, je me suis dit, Seigneur, il faut absolument que je fasse cette vidéo. Ça va aider bon nombre de gens. Je me suis dit, pourquoi n'avoir pas parlé de ça depuis? Aujourd'hui, on va parler de 4 choses à faire pour accoucher normalement, très rapidement et sans problème. Premièrement, si vous avez un collant comme ce que vous voyez sur moi là, ce que vous allez faire directement, dès que le travail commence, vous enlevez le collant, vous attachez un pagne. Vous attachez un pagne comme ce que vous voyez dans la vidéo là. Dès que vous attachez le pagne maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez pouvoir maintenant être libre d'aller aux toilettes parce que généralement quand on est en travail, qu'est-ce qui se passe? Quand le bébé compresse notre vessie et souvent on a des fuites urinaires, c'est-à-dire que on a envie de faire pipi pendant que ça coule déjà sur nous. Donc du coup, on sent envie de faire pipi, deux fois on va aux toilettes, le pipi ne vient pas. Et quand on s'en a eu de faire pipi, si on a le collant, ça va être très compliqué. Ou bien si on a un pantalon, ou bien si on n'a pas juste attaché un pagne, ça va être très compliqué pour nous d'être à l'aise dans ces moments-là. Parce que qui dit accouchement normal, dit toutes les conditions réunies pour que toutes les chances soient de votre côté. Deuxièmement, quand vous êtes enceinte et que le travail a déjà commencé, pour accoucher facilement, surtout sans risque d'avoir des complications ou des problèmes graves, ok, qu'est-ce que vous allez faire? De temps en temps, on a envie d'aller aux toilettes, soit de faire pipi, soit souvent on a envie d'aller faire le besoin. Souvent on a envie d'aller faire le besoin et ça ne vient pas. Parce que quand l'enfant commence quand déjà on est en travail, n'est-ce pas? Le problème qui se passe généralement, c'est que si vous ne faites pas partie de ce genre de femme qui, comme moi, en fin de grossesse, consomme beaucoup d'éléments, et je consomme, soit vous pouvez consommer comme moi l'écorce de colatier, soit vous pouvez consommer l'aloe vera, le jet de l'aloe vera que vous avez raclé, vous avez mis dans un vase, vous avez mis de l'eau et vous laissez reposer plusieurs heures, vous tamisez tout le jus avec le gel en même temps, vous buvez vers la fin de la grossesse à partir du 7e mois jusqu'au jour de l'accouchement, ou soit vous pouvez boire l'eau du gombo aussi est excellent. Il y a beaucoup d'autres éléments que vous pouvez boire. Le fait de vous purger aussi de temps en temps, ça fait que vous avez le gros intestin qui reste toujours propre. Maintenant, quand le travail commence et que vous n'avez pas pris toutes ces dispositions, quand l'enfant commence déjà à descendre, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous dis, quand vous êtes déjà en travail, qu'est-ce qui se passe? Généralement, au niveau de gros intestin, la pression de l'enfant qui descend, la pesanteur et tout, ça va bloquer les selles au niveau de... Souvent, c'est un peu comme un blocus qui est calé là-bas. Et plus vous avez mal, plus la dilatation du corps ne se fait pas rapidement. Et plus vous allez sentir beaucoup mal de douleur, le mal de dos. Vous allez sentir beaucoup de malaise parce que cette saleté-là est accompagnée avec de la glaire. Donc, c'est-à-dire la glaire et beaucoup de saleté au niveau du corps intestin qui bloque. Quand je dis la glaire, je parle de cette glaire-là qui souvent donne les mal de dos à certaines personnes, même quand ils ne sont pas enceintes, même aux hommes. Quand on accumule beaucoup de toxines dans l'organisme, souvent au niveau des reins, on peut avoir souvent des douleurs. Souvent, quand on fait un nettoyage, donc on libère tout ça. Donc, quand il y a de la charge là-bas, une surcharge, j'ai parlé du surcharge pondérale. Vous savez que quand on parle trop la langue étrangère, la langue turque surtout, souvent on veut expliquer certaines choses en français. Les phrases fuitent comme ça, là, ça fuite. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a trop de surcharge là-bas à ce niveau. Et l'enfant, ça bloque. Vous allez voir, on dit que le col est dilaté d'un côté. Le col est dur, l'autre côté ne s'ouvre pas. Soit on dit,
Souvent, quand vous êtes à l'hôpital, généralement dans les pays développés, je ne sais pas comment ça se passe chez nous, parce que chez nous, c'est une triste histoire. Si je vais me mettre à raconter mon accouchement chez nous, en Afrique, je vais... Quand je dis Afrique, parce que je sais que la grande majorité, nous les pays africains, les noirs africains, là, nous sommes à peu près dans le même calvaire. Donc du coup, si je vais rentrer dans cette histoire-là, je vais réveiller des mauvais souvenirs. C'est pas bon, donc je préfère ne pas revenir là-dessus. Donc voilà, ceux qui connaissent mon histoire par rapport à l'accouchement de ma fille, qui était notre premier enfant, dites dans les commentaires, Suzanne, ne reviens pas sur le sujet. Regarde la vie devant pour que je sache qui sont les vrais, ok? Donc voilà, la famille, comme je vous disais tantôt, quand vous avez l'enfant qui descend, les douleurs, les contractions intenses, le col qui ne se dilate pas, ça veut dire qu'il y a la suchage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe généralement? Pendant que vous êtes en travail, deux fois, cette suchage-là a envie d'être libérée. Quand c'est en train de vouloir se libérer, vous avez les sensations d'envie d'aller aux toilettes. Chez certaines femmes, quand elles vont aller aux toilettes, qu'est-ce qui va se passer? Elles peuvent, ça peut sortir un peu. Mais en grande majorité, chez certaines femmes, ça sort généralement quand elles sont sur la table déjà, comme ça, et le docteur est devant. Et quand ça sort à ce moment-là, le docteur nettoie directement. Vous ne vous en rendez même pas compte. Parce que la pression avec la douleur, toute l'intensité de l'accouchement, fait en sorte que vous ne sentez pas que vous avez fait un gros popo pendant ce moment-là. Excusez-moi vraiment le terme, mais il fallait vraiment que je le dise. Ah, nos docteurs, les gens là, hein, le corps médical là, chapeau à vous, parce que Dieu seul sait tout ce que vous voyez, ok? Pour le bien-être de l'humain. Vraiment, que toutes les bénédictions soient vôtres. Donc, comme je disais tantôt, il est donc important, quand vous allez aller aux toilettes faire vos besoins, n'allez jamais vous asseoir sur le pot comme une femme normale. Jamais. Vous pouvez aller vous asseoir sur le pot et l'enfant descend directement. Vous savez ce qui va se passer? Le crâne de l'enfant, si ça heurte sur le pot là, hein, vous savez ce qui va se passer? L'enfant pourra avoir un AVC. Ça pourra même aller jusqu'à être plus grave. Donc quand vous êtes en travail, vous avez envie d'aller au besoin, vous allez faire comment? Quand vous vous asseyez, vous allez mettre la main sur l'entrée de votre fleur, là où la tête de bébé va sortir, avant de vous asseoir. Vous allez, c'est toujours, ça va être automatique. À la rigueur, même si vous avez la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous pour vous assister, ça serait vraiment parfait. Vous savez que quand le travail vient de commencer souvent, vous partez à l'hôpital et que vous n'avez pas encore perdu les os. Souvent, on vous renvoie à la maison. Que aller à la maison... On est sûr que non. Quand vous allez revenir, le col sera dilaté à un certain niveau. Parce que si vous allez à l'hôpital, vous êtes en travail, le col est dilaté de 2 cm. On va vous renvoyer à la maison. Parce qu'il faudrait que le col soit dilaté au moins de 4 à 5 cm pour qu'on vous retienne à l'hôpital. Parce qu'on sait que non, vous, ça avance. Vous pouvez un peu le genre. Surtout les premiers pas. Les premiers pas peuvent avoir les contractions le matin. Par exemple, au moment où je vous fais cette vidéo le matin, la nuit, elle dorme. Le lendemain, c'est le lendemain à la tombée, ou bien peut-être elle peut même avoir même 2 jours de contraction. Ça dépend des cas, surtout quand vous êtes à la maison et que vous n'avez pas le corps médical autour de vous pour vous assister. Ou bien même vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans votre chambre d'hôpital par exemple, comme si je suis chez nous ici en Turquie. Quand je vais à l'hôpital, je suis dans ma chambre carrément, il y a une douche, il y a tout. Donc du coup, il y a des fois où je peux appeler à aller à la douche. Si vous allez à la douche et que le travail, vous, pendant que vous vous accoupillez, pendant que vous voulez faire vos besoins là, que c'est l'enfant qui vient directement, parce qu'il y a certains enfants qui peuvent venir d'un coup, tchouk, en fait on dit comme ça, tchouk. C'est comme ça qu'on dit, excusez-moi. Donc voilà, ça veut dire que c'est le mouvement que ça fait généralement quand l'enfant vient d'un coup. Et si vous êtes assis sur le pot sans contrôle, sans avoir pris conscience du fait qu'un danger peut arriver pendant ce moment-là, si l'enfant sort brusquement, l'enfant heurte son crâne dans le pot. Seigneur, épargne-moi de ça. Donc vous avez déjà compris que c'est quelque chose, des précautions à prendre strictement. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes en travail, vous n'allez pas dormir. Ouais, vous n'allez pas dormir. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes en travail, n'est-ce pas, souvent on est fatigué, souvent on n'en peut plus, souvent on n'a plus d'énergie, souvent on a juste besoin de se reposer juste un peu. Dans les moments comme ça, si vous vous couchez, n'est-ce pas, ça va ralentir le travail. Et encore, si vous vous couchez plutôt du côté droit, ce n'est pas bien. C'est toujours recommandé au cas où, de
d'utiliser plutôt le côté gauche, mais déjà on ne recommande pas à une femme enceinte qui est en travail de dormir, parce que si vous dormez, ça va ralentir le travail. Si vous voulez accoucher rapidement, l'une est la meilleure chose à faire. Vous pouvez rester tel que vous me voyez dans la vidéo, comment je m'accroupis. Vous mettez la tête sur le thé d'oreille comme ça, ou bien vous soulevez si vous êtes à l'hôpital. En fait, vous trouvez des conditions à ce que la pesanteur soit toujours en train de favoriser l'avancée du travail. Pendant que si vous pouvez faire une minute entre deux contractions. Ce sont des éléments très importants à prendre en compte pour une femme qui accouche par voie basse et qui souhaiterait mettre toutes les chances de son côté. Maintenant, revenons au quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? Quand une femme est en travail, elle ne doit pas manger. Je m'explique. Quand j'étais enceinte de notre premier garçon, je suis arrivée à l'hôpital. La même situation que j'avais failli vivre au Cameroun pour notre première fille qu'on a perdue. Que la tête de nos ancêtres lui soit légère. Notre princesse. Vous savez, dans la vie, la famille, soyez qui vous êtes, soyez vrai. Faites du bien. Laissez même que les gens parlent en mal de vous. Mais qu'au fond de vous, vous savez qu'avec votre conscience, vous êtes tranquille. Qu'au fond de vous, que si c'était Dieu devant vous, Dieu lui-même, s'il veut trancher avec. Donc, laissez les gens penser mal de vous. Mais que ce que les gens pensent de vous, ce soit juste ce qu'ils pensent, mais que ce n'est pas la personne que vous êtes au fond. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Vous voyez un peu le genre de ragots où on fait les ragots sur une personne juste pour atteindre certains buts. C'est bon, on fait les ragots. Mais que ça ne soit pas qui vous êtes. Parce que c'est qui vous êtes. L'honnêteté, la franchise, la personne honnête, vraie, que vous êtes au fond de vous. La personne qui fait du bien, prend son prochain comme lui-même. Peu importe si vous êtes familier ou pas. C'est ça qui vous sauve dans la vie. Je vous assure que la vérité et la qui vous êtes en fait. La personne qui aime l'humain, l'amour, vous, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'était un miracle pour notre premier garçon. Quand on est arrivé à l'hôpital, d'abord pour notre première fille, si je n'avais pas le cœur que j'ai, certaines personnes savent voir des belles personnes, des belles âmes à travers la caméra. Si je n'étais pas qui j'étais, c'est que je ne suis plus en vie. Le docteur m'a dit, ma chérie, peu importe le Dieu en qui tu crois, peu importe la façon que tu mènes ta vie, ne change pas. Sur plusieurs cas, je te dis, ma fille, je n'ai jamais eu un cas qui a eu un enfant, le corps d'un enfant qui est, l'enfant était déjà mort pour plus d'une semaine dans son sein, le placenta était déjà décomposé. Et voilà, le corps de ton enfant sort par voie basse. Et te voilà. C'est vrai que je suis morte, je suis allée de l'autre côté avant de rentrer. C'est quelque chose que je crois qu'on parlera dans une vidéo. C'est quelque chose que je n'ai vraiment voulu jamais entrer en profondeur, mais j'étais déjà allée de l'autre côté. Donc je sais ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai vu ce qui se passe quand on n'est plus dans le corps. Les gars, dans la vie, faites du bien. Laissez tout le monde même penser que vous êtes mauvais. Mais que le karma de la vie, la nature sait que la personne qui parle mal de cette personne cherche le malheur. Parce que dans votre être interne, il n'y a jamais de circonstances où vous allez faire du mal. Vous allez toujours vous mettre à la place d'une personne avant d'agir. Laissez les gens penser ce qu'ils peuvent penser. Mais soyez quelqu'un qui... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, les gars. Quand j'arrive donc en Turquie et que je suis en train de vouloir vivre la même situation, les gars, je claque d'abord mes oreilles. Si vous êtes une femme enceinte et que vous pensez à quelque chose qui va à l'accouchement et qui est triste, faites toujours comme ça. En disant que ça reste lourd, que ça ne m'approche jamais, que ça ne m'approche plus jamais. Ou que ça ne... Bon, dans mon cas, je vais dire que ça ne m'approche plus jamais parce que... Les gars, quand j'essaie de parler de cette histoire, j'ai le cœur qui bat plus fort. Parce que je ne saurais vous expliquer avec quel nom la famille. Faites du bien. Ne faites jamais du mal à autrui. La vie, ce n'est rien. Et rien ne vaut la vie. Vous voyez quelqu'un comme ça, demain la personne n'y est plus. Vous voyez quelqu'un comme ça, ce n'est que le bien que vous faites dans la vie qui vous sauve, qui fait qui vous êtes. Qui fait même que les choses que vous faites, ça marche. Parce qu'au fond, vous êtes quelqu'un de bien. Une personne de lumière qui fait que du bien. De fois même, c'est le bien que vous faites trop là qui,
qui vous attirent beaucoup d'ennemis, qui font qu'on mal parle même de vous, qui font que ce soit les gens de proche ou de loin peuvent aller faire certains commérages à votre égard, mais que ça reste un commérage, ça ne reste pas, ce n'est pas qui vous êtes. Dans la famille, comme je vous disais tantôt, quand j'arrive dans Antioquie, qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'autre garçon, le travail avait déjà commencé, qu'est-ce qui se passait? J'arrive à l'hôpital et le docteur me dit, si tu étais venu 5 minutes plus tard, le garçon, c'est dans ton ventre. Ne devait pas être là. Parce que quand j'arrive d'abord, la première des choses qu'ils ont fait, ils prennent mes temps, ma tension. Pendant qu'ils prennent mes temps, ma tension, ils sont en train de faire le monitoring. Ils se rendent compte que le cœur de l'enfant, il ne sentait plus le cœur de l'enfant. Entre temps, mon mari et moi, on était là. On était. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Directement, je vois tous les médecins. On m'amène dans une salle comme ça, mon mari et moi. Je vois tous les médecins. Je vois que les blouses comme ça. Mon cœur commençait à paniquer. J'ai dit que ça, c'est quel genre de circonstance. Ils se conseillent directement. Voilà, on m'amène en bloc. Je vous dis, pendant qu'on était en train de m'amener en bloc opératoire, je crois que je vous avais fait un story time sur ça. Pendant qu'on était en train de m'amener en bloc opératoire, pendant ce temps, on était en train de mettre la chose, un truc là, je ne sais pas comment on appelle ça, excusez-moi, hein, ceux qui font partie du corps médical. Il y a quelque chose là qu'on introduit à l'intérieur de votre vessie pour recueillir l'urine pendant qu'on est en train de vous opérer. Donc, si il y a un besoin de faire pipi, que ça ne coule pas, que ça ne vous mouille pas, que ça va directement à l'intérieur de ce truc là. Donc, du coup, pendant qu'on m'amène, si quand mon travail, voilà là où je voulais en venir, quand le travail a commencé, les gars, si j'avais mangé, parce que quand vous mangez, ceux qui font partie du corps médical, vous êtes toujours dans les commentaires en train de me dire, Suzanne, je fais partie du corps médical, dites-nous maintenant dans les commentaires, quand vous avez mangé et qu'on vous opère, il y a beaucoup plus de complications, parce que quand votre estomac est plein, il y a risque, on explique ça encore quoi. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Donc, quand vous êtes en travail, vous évitez de manger, vous buvez de l'eau. Si à la rigueur, vous sentez peut-être une genre de famille, vous sucez peut-être les oranges ou vous prenez un morceau de sucre, vous lancez dans la bouche juste pour ne pas tomber en hypoglycémie. Et ça permet en sorte qu'on ne sait jamais. Au cas où il y a une urgence, comme c'était le cas avec notre premier garçon, la chance que j'ai eue ce jour-là, je n'avais rien mangé depuis que les contractions ont commencé. J'avais juste bu de l'eau puisque je connaissais déjà le secret. Vous savez que maman, nous avons grandi au village, on a eu des grands-parents, on a eu des personnes âgées autour de nous. On était toujours en train de s'asseoir autour du feu comme on voit souvent dans les films là, à prendre des conseils. Vraiment, c'est ça qui a beaucoup enrichi. M'a beaucoup enrichi mes connaissances en ce qui concerne la nature, beaucoup de choses qui concernent le bien-être au naturel. Donc du coup, je buvais juste de l'eau, je suçais l'orange, j'avais mon sucre dans, je prenais un petit morceau de sucre de temps en temps quand je sentais que j'étais en train de me manquer de force. Et de là, ça a donc permis que, en cette circonstance-là où c'était une urgence stricte, qu'on m'amène au bloc, tic-tac, on sort l'enfant. Dès qu'on sort l'enfant, et Seigneur, on sort l'enfant, vite. 13 heures comme ça. Si je vous dis que j'ai vu l'enfant, minuit était là dépassé depuis, je ne me rappelle plus trop de l'heure, c'était 2 heures comme ça. J'avais déjà tapoté le docteur, je dis que docteur, pardon, si mon bébé là est passé, je vais supporter, je suis déjà passé par là-haut. Le docteur m'a dit que c'était un miracle. Je vous dis, en Turquie ici, on m'a dit, c'était un miracle. Après, il m'a dit, vous êtes musulman, vous êtes chrétien? Je lui ai dit que non. Il dit que vous croyez en quoi? Donc, dans ma tête, quand il me posait la question, je croyais qu'il voulait me demander d'être forte. Donc, du coup, dans mon esprit, j'étais en train de dire que... Quoi, qu'est-ce que... Quand il me posait cette question, je lui ai dit, pardon, docteur. Une dame a commencé à pleurer comme ça. J'ai dit que, pardon, docteur, ne me demandez pas à qui je crois. Dites-moi juste un oui ou un non à propos de mon bébé. Il m'a dit, vous êtes quelqu'un de béni. L'enfant là, on a réanimé l'enfant jusqu'à on était déjà sur le point
de déclarer que voilà, c'est là où le miracle s'est produit. Nous-mêmes, on est, la façon qu'il a exprimé ça. Les gars, faites du bien. Laissez les gens croire en mal de vous. Mais quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez même pas besoin de réagir. Vous savez qu'il y a un Dieu, il y a un karma. Et le karma, les gens qui sont méchants, qui font la méchanceté là, le karma ne vous loue pas. Donc dans la vie là, non, quand vous faites du bien, vous croyez que vous faites aux gens, non. Vous faites à vous-même. Ce que vous faites là, ce que vous sémez, c'est ça que vous récoltez. Si vous sémez les graines amères, croyant que vous gâtez quelque chose, vous allez récolter, vous allez manger le goût du amer là. Vous allez sentir ça dans vos os, dans votre âme. Les gars, faites du bien. Faites du bien. Ne soyez pas ce genre de personne qui ne sait pas que tout dans la vie, l'enfer et le paradis, c'est sur la terre. Tu fais du mal, tu vas récolter ça avant de partir. Tu fais du bien, Dieu va même te bénir à travers tes enfants. Tout ce que tu fais, Dieu va te retourner le bien là. Et depuis lors, je n'ai jamais cessé toujours de dire aux femmes que si vous êtes en travail, ne mangez pas, on ne sait jamais. Si vous êtes en travail, parce que cela avait permis aussi qu'il me place juste une péridurale. Je ne sais pas si c'était l'une des raisons. Bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça a été beaucoup en faveur du tic-tac. Parce que dès que j'ai dit je n'ai pas mangé, directement ils ont engagé tic-tic-tac. Pendant qu'on est en train de me rouler pour m'amener un bloc, on est en train de me mettre le truc là dans la vessie. Dès que j'arrive, c'est-à-dire il n'y avait pas de secondes à perdre. Et c'est dans les secondes là que la vie de notre premier garçon avait été épanouie. On m'a mis la péridurale dans la colonne vertébrale. Je ne sentais pas le bas, mais mes mains étaient là, je bavardais avec eux, je causais. Entre temps, dès qu'ils ont enlevé l'enfant, je n'ai pas entendu l'enfant pleurer. Et après, j'ai seulement vu la panique qu'ils avaient. C'est un peu comme si l'enfant n'était plus en réaction. Seigneur. Les gars, en tout cas, le fait pour moi souvent d'éviter de parler trop des sujets comme ça, c'est parce qu'à chaque fois, ça me fait retourner sur mon propre histoire, moi. Les gars, excusez-moi, je ne sais plus si j'ai dit même mon ou ma. Les gars, en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire par là. C'est-à-dire, je me plonge dans ces choses-là que j'ai vécues. Et c'est vrai que c'est dur de souvent parler, mais souvent c'est bien. Pourquoi certaines personnes réalisent que la vie ne tient qu'au bout du fil. Et quand je vois certaines personnes qui tapent la main à la poitrine en disant, en parlant avec autorité, en faisant certains trucs, méchanceté et tout, je me dis seulement que si seulement ces personnes savaient ce qu'était réellement la vie. Et moi, je me dis au plus profond de moi, Seigneur, merci toujours de me préserver comme tu es. Peu importe ce que quelqu'un pourra me faire, je ne vais pas changer. Je ne changerai pas, je ferai toujours du bien parce que ça m'a sauvé plus d'une fois. Et je suis la preuve vivante que faire du bien est bien. Au Cameroun, mon docteur me l'avait dit. En Turquie, mon docteur, même pas un seul docteur, le docteur qui m'avait rassuré me l'a dit. Et le docteur qui est venu nous donner le bébé, parce que mon mari et moi, on avait déjà, quand le docteur là nous a rassuré, oui, là maintenant, on était enthousiastes de voir l'enfant. Et quand l'enfant est arrivé, ce docteur qui est venu avec l'enfant était quelqu'un d'autre. C'était une équipe en tout cas, mais dans ses propos, il y avait toujours ce mot-là, ne changez pas, votre cas était un miracle. Et les gars, je puisse vous rassurer que l'accouchement, c'est quelque chose où si vous ne voyez pas ce par quoi certaines personnes passent, vous n'allez vraiment pas réaliser que souvent un petit conseil vous aide à vous épargner de beaucoup de difficultés. Parce que ce couple-là qui nous a fait part de leur problème, l'enfant, pendant l'accouchement, il y a juste une petite négligence et il y a eu une hématome dans le cerveau de l'enfant. Et l'enfant en souffre jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez la photo de l'enfant, vous voyez la paralysie de l'enfant. Même si vous êtes comment, vous ne pouvez pas rester insensible face à ça. Donc faites attention à vous les gars, prenez soin de vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vais faire un récapitulatif de tout ce que
j'ai dit, donc premièrement, si le travail commence, vous allez enlever le collant et mettre un pain, de sorte à ce que si vous avez envie de faire pipi, que vous ne pissez pas partout, vous ne faites pas pipi partout. Si vous avez envie de faire pipi, vous allez directement au pot. Pendant que vous allez, si ça coule là et que vous n'avez pas un collant, c'est tant mieux, ça va être plus facile. Deuxièmement, ce que j'ai énuméré, c'est le fait que, pendant que vous allez aux toilettes, vous allez toujours utiliser vos mains et mettre là, et de peur que l'enfant vienne comme ça là et heurte son crâne à l'intérieur du pot. Donc votre main comme ça, la paume de votre main comme ça, doit être sur l'entrée de votre fleur, là, par là où l'enfant sort, de sorte à prévenir, on ne sait jamais. Maintenant, la troisième des choses dont on a parlé, c'est le fait que vous n'allez pas dormir quand vous êtes en plein travail. L'enfant risque de dormir aussi et vous ne voulez pas que ça traîne. Il faut que ça évolue très rapidement et que vous puissiez décharger, comme on dit généralement, vous puissiez décharger. Et le quatrième élément dont j'ai mentionné, c'est le fait de ne pas manger. Le fait de manger, quand le travail a commencé, abstenez-vous à manger, consommez que des liquides. Ça va garder votre estomac vide et prévenir au cas où on ne sait jamais. Ok? Donc les gars, on ne souhaite ça à personne. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui décident toujours d'accoucher par césarienne. Mais si vous faites partie des femmes comme moi qui donne tout. Par exemple, après la césarienne, j'avais d'abord la fille dont je parlais, c'était un accouchement par voie basse. Après le garçon, comme je vous ai expliqué, on m'a opéré d'urgence. Et après ce garçon-là, j'ai fait deux garçons encore par voie basse, accouchement normal sans péridurale. D'ailleurs, même le dernier garçon était presque sans douleur, je ne l'avais pas senti. Trop de douleur. Comme normalement dans l'accouchement, par exemple, comme dans mon deuxième garçon, pour le cas de mon deuxième garçon et tout. Et cette fois-ci, également, je prie que tout se passe également comme la précédente, par voie basse et avec moindre douleur. Et même si c'est pas moindre douleur, si c'est par voie basse et que l'enfant est en bonne santé, c'est le plus important. On fait juste ce qu'on peut et on laisse tout le reste à main nature. Voilà les gars, prenez soin de vous donc. Et dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. C'est comme si quand je parle, je demande si vous aimez ce genre de vidéo. Le bout de cheveu dans le ventre dit que oui, j'aime bien le genre de vidéo là. Donc il fait les coups secs. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéo, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde dans une des prochaines vidéos. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous faire des prochaines vidéos comme ça. Pourquoi pas le plus souvent. Prenez soin de vous et à très bientôt les gars. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bye bye.